Bonjour, alors là, une petite surprise, je vais à Douala. D'accord? Alors ça, c'était pas pour l'objectif glace, c'était parce que je vais aider quelqu'un à monter un business de glace bâtonnée. Alors bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, on est constructeur de machines à glace en France. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, j'allais, on a fini hier la foire. Donc la vidéo, je vous la ferai quand je vais à mon retour. D'accord? Là, je pars juste 3 jours en Afrique. Et du coup, donc là, je suis à l'aéroport en fait. J'ai fini la foire hier soir. Ce matin à l'aube, je suis parti pour monter à Paris. Là, je suis à l'aéroport, donc Charles de Gaulle. Et du coup, voilà, je dis vous faire une petite vidéo parce que j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire. Donc voilà. Donc, alors, ce que je vais faire là, je vais partir aider quelqu'un. D'accord? C'est quelqu'un qui est en Afrique qui m'a contacté. Et du coup, il faut que j'aille là-bas pour aller voir un petit peu le marché, etc. Il a commandé des machines à glace bâtonnées. Et du coup, ben, ensuite, je vais revenir là-bas en Afrique au mois de le temps qu'elle soit livrée. Je crois que ça sera au mois d'octobre, novembre. Et comme normalement en novembre, je suis en vacances. Du coup, je vais retourner là-bas en décembre pour former l'équipe à fabriquer des glaces bâtonnées, etc. D'accord? Donc, vous voyez, c'est un truc que c'est quelque chose. L'autre fois, je vous en ai parlé. J'étais en train de faire des trucs de formation, mais en plus. Voilà, maintenant je vais faire aussi du, on va aider les gens, on va faire du consulting, etc. D'accord? Donc c'est vrai que si vous avez besoin d'aide, ben je vais faire un petit système, d'accord? Ce sera un système de coach, etc. Parce que bon, je peux pas travailler gratuit non plus, d'accord? Mais voilà, c'est le principe, hein, d'accord? Si voilà, si vous avez pris des machines chez nous, ben on donne un coup de main, c'est tout à fait normal. Donc l'avantage là-bas, c'est que les fruits sont super pas chers. Moi, il m'a fait voir tous les tarifs, donc on va faire l'étude de marché et ça a rien à voir, hein, d'accord? Et d'après ce que je compris, parce que en plus, il m'a fait recevoir par l'ambassadeur, d'accord? Du coup, directement, on a parlé par rapport aux fruits, etc. Et les fruits là-bas, bah, c'est comme en Martinique, d'accord? C'est les fruits, vous prenez une banane, ça a un goût. Pour vous donner la différence des fruits ici et là-bas, bah, c'est que c'est la tomate du jardin avec la tomate de grande surface, d'accord? Bah, c'est pareil pour les fruits. Là-bas, les fruits sont super bons, d'accord? Donc, ça va faire des glaces qui vont être super bonnes. Et voilà. Le truc, c'était de faire des glaces pas chères, ok? Le projet, c'est un objectif de faire des glaces à 100 francs CFA. Du coup, c'est super pas cher, mais il faut quand même qu'elles soient de bonne qualité, d'accord? Parce que c'est le truc, il est là, c'est vraiment toujours le truc, c'est la qualité. Faites de la qualité et ça va payer, ok? Donc j'espère ça, voilà, ben, ça vous a fait une petite histoire. Du coup, ben, pour la foire de hier, donc je vous dirai le chiffre qu'on a fait total. Et rassurez-vous, je vais partir en vacances. Hein. Quoique déjà là, je dois partir en Côte d'Ivoire aussi. Hein. Je crois que c'est en début octobre. Il faut que j'arrive à caler les dates. Et j'en avais parlé l'autre fois. Et puis j'ai eu la personne au téléphone. Et ben, pareil, voilà. Et je crois que je dois aller aussi en Martinique. Ok. Donc eh ben, je vous dis demain, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo. Ben, si, quand j'y arriverai, j'essaierai de la faire pour faire voir le paysage. Je crois que c'est la saison des pluies, alors faut faire gaffe. Allez, je vous dis merci pour le pouce bleu, puis suivez-moi pour l'aventure.